Allez, oh punaise les amis. Oh, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Ah ouais. On a couru combien de temps là? Oh, 10 minutes. 10 minutes à tue-tête, on a couru à tue-tête là. Oh. Je sais pas si... Non, on peut pas dire ça. Il s'est passé une histoire de fou furieux, on est essoufflé, là il fait noir et tout. Oui. En fait, il s'est passé un truc de dingue aujourd'hui. Attends, désolé, là j'ai même pas eu le temps de régler la caméra. Et en gros, ce qui s'est passé, parce que là on était au parc. Je sais même pas ce qu'on faisait au parc, on discutait, on était avec notre père. Ouais. Et là d'un coup je regarde dans la rue, tout ça, on marche à côté du parc et là je vois un téléphone. Lyreuse, elle est épuisée. Oui. Là. On marche et on trouve un téléphone. Je vois un téléphone devant moi. Je dis à Lyreuse, regarde le téléphone. Je le prends et au moment où je le prends, il y a un policier qui se met à courir vers nous. Et là il réussit à nous mettre à côté de sa voiture. On doit mettre des vêtements jaunes. Il nous dit oh, vous allez aller en prison, c'est mon téléphone. J'espère que là il nous a pas poursuivi d'ailleurs. Non, je crois pas. Attends. C'est lui. Attends, c'est quoi ça? Attends, vous voyez là? Attends, on voit rien là. Attends, c'est lui. Attends, chut. C'est lui. Attendez. Je pense que c'est lui. Mais attends, oui. Attendez. Attends, mais... Attends, il y a écrit police sur son truc, je sais pas. Oh, si... oh non. Il rentre. Je sais pas, attends, on fait écouter. On dirait qu'il voulait rentrer chez nous, là. C'était ça? Ouais, je crois. Oh, c'est trop bizarre ce qui est en train de se passer, les amis. Ouais. Franchement, je sais pas quoi faire. Désolé, je suis un peu perdu, là. Attends, en plus notre père, je sais pas s'il nous a suivi parce que lui aussi il a dû mettre la tenue et tout. Mais bon, le mieux c'est pas ça. Tu sais ce que c'est, dit Rose? Attends, t'as entendu quelque chose? Oui. Attends, mais c'est pas grave, attends, je dois te dire un truc. Ok, vas-y, quoi? Ferme la porte pendant ce temps là. Et je vais le dire aussi aux abonnés. Okay. Regardez ce que j'ai réussi à cacher dans ma chaussette. Bon oui, on n'a pas de chaussette, on a... Eh oh, 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 fais pas de bruit, il va nous entendre. Regardez ce que j'ai réussi à cacher. Oh, le téléphone qu'on a trouvé. J'ai réussi à trouver le téléphone, à le garder. Donc je sais pas pourquoi il tenait tant à son téléphone, oui. Mais en tout cas on a réussi à le garder. Par contre j'espère qu'il va pas réussir à rentrer et à essayer de nous mettre en prison de nouveau. Tu penses qu'il est là? Mais de toute façon c'est pas méchant un policier, mais... Ouais, c'est vrai. Non mais attends, ça tombe, c'était un faux. Je sais pas pourquoi, on dirait que le téléphone c'était comme un, je sais pas, comme un moyen de nous piéger. Dès que j'ai touché le téléphone, il a commencé à venir vers nous, il a dit oh venez vite. Et nous... Attends, j'ai entendu Esteban Lirose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Bah oui, c'est moi. Bah, qu'est-ce que vous faites comme ça? Ah bah t'as plus ta tenue. On s'est mis en déguisement, ouais. Non mais... Bah la tenue, quelle tenue Bah la tenue jeune comme ça. Qu'est-ce que vous faites? On dirait que vous sortez de prison là, parce que moi, mais non, j'ai entendu frapper à la porte. Non mais tu te souviens pas de ce qu'on a fait? Attends, vous avez trouvé un téléphone, c'est ça? Non mais il a rien compris. Il a rien trouvé. Tu te souviens pas? Tu te souviens pas du policier qui a voulu nous emmener? Bah si, tout à l'heure là. Mais oui, mais t'étais avec nous à ce moment-là. Ah, oui, bah j'étais là, Esteban. Il est trop bizarre. Et je pense qu'il a totalement perdu la mémoire. Vas-y, va voir attends, là-bas. Attends. Va voir là-bas. Allez, hop. Va voir en bas. Non mais attends, qu'est-ce qu'on lui a fait là? Je sais pas. Non mais il se souvient de rien. Ouais. On dirait qu'il était pas là à ce moment-là. C'est vraiment bizarre. Attends, le téléphone, vas-y, donne-le-moi. Il est où? Il est là. C'est trop bizarre, vas-y. Mais pourquoi t'as mis une coque là sur le téléphone? Non, on s'en fiche, je veux pas de coque. Il fonctionne plus là? Non, je pense pas. Vas-y, charge-le. Ça doit être un problème de charge. On dirait que notre père a totalement perdu la mémoire. J'espère que c'est pas ce policier là qui lui a, je sais pas, donné un truc qui fait perdre la mémoire. Je sais pas si ça existe. Non, il fonctionne. Oh, il fonctionne. Oh punaise, il est tout cassé. Il est tout cassé. T'imagines, on a failli aller en prison pour un téléphone cassé. Ouais. À moins que ça soit un faux policier, comme ouais, je dis. Peut-être. Franchement, je sais pas. Regardez, il est tout fissuré de chez fissuré. Vas-y. C'est quoi le code? Bon, mais 000, ouais, 000, ça tombe, ça fonctionne. Ça fonctionne. Attends. Mais oui. c'est des photos de... Si. Attends, c'est une photo de toi et de Massilia. Mais oui. Attends, sur le fond d'écran, je sais pas si vous reconnaissez. C'est Massilia, Lily Rose. C'est toi. Les cousines de Massilia. Massilia qui est une copine youtubeuse aussi. Et la sœur de Massilia, ouais. Camilia, les cousines de Massilia. Mais c'est trop bizarre ça. C'est quoi ça? Il y a plein de jeux dessus, il y a Among Us. Il y a plein de jeux pas installés. Attendez, il y a une application géolocalisation. Attends. Ça veut dire qu'on peut géolocaliser le propriétaire du téléphone? Mais oui. Vas-y, dis-nous ce que tu vois. Attends, j'entends du bruit dans le couloir. Eh oh. Oui. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? J'ai trouvé ça dans la rue là.
T'as entendu juste frapper, en face de la t'as entendu oui, frapper, bah oui, t'as trouvé c'est ça, ça je voulais vous dire. Attends. J'ai trouvé ça en face attends, de la attends, attendez. Police. Police. Ah, mais c'est le truc. Oh, c'est-à-dire que c'était un faux policier. Une perruque, une lampe. C'était un faux policier. Et en fait, oui. il a essayé de nous faire trouver un téléphone et. Et c'est un piège. Attends. En fait, c'était. Ah oui, je sais ce qui s'est passé. C'est en fait, il y a. C'est éteint, c'est éteint. Le téléphone s'est éteint. Oui. C'est bizarre. Bon, ouais. À mon avis, le propriétaire du téléphone a vu qu'on l'utilisait, il l'a bloqué parce qu'on peut faire ça avec les iPhones. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui voulait nous piéger a posé un téléphone. Oui. Ensuite, elle a attendu qu'on le touche. Dès qu'elle a touché, elle s'est fait passer pour un policier pour qu'on vienne à côté, je sais pas, à côté de chez lui et tout. Et toi, t'étais là, tu t'en souviens au moins oui, de tout là, ça. Oui, oui. Mais donc, maintenant, tu t'en souviens. Bah oui, attends, la mémoire me revient. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui me paraît étrange, c'est que j'ai ce déguisement de policier qui était en face de la porte. Ah. Bah oui, bah c'est normal, on l'a vu juste devant le policier. Mais pourquoi aussi? Mais je sais pas, parce qu'il nous recherche, on a réussi à s'enfuir. Cette histoire de téléphone. Et d'ailleurs, comment t'as réussi à t'enfuir? Parce que nous, on s'est enfui à deux et... Bah je l'ai bousculé. Ah carrément. Bah oui, je suis ah ouais, ok, alors lui... Je suis parti en courant. Ouais, lui, il bouscule. Ah ouais, nous, on a même pas bousculé. Nous, on a fait une blague, il s'est mis à rigoler et du coup, on a réussi à s'enfuir comme ça. Il était fou de rire. Lâchez-moi. Ok, d'accord. Je suis parti en courant. Ok, bah pas nous. Nous, on l'a fait rigoler. Donc voilà, et là, Isabelle, bah du coup, on sait pas ce qu'on doit faire. Non, on sait pas. Non, mais franchement, et ce téléphone, on sait pas pourquoi il voulait nous piéger, pourquoi il voulait qu'on le suive. Parce qu'en plus, il marche pas ce téléphone. Ouais, bah c'est trop bizarre. Ouais. Non, mais c'est la personne voulait nous piéger, voulait qu'on la suive, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça tombe, c'est quelqu'un qui travaille pour Talking Angela ou quelque chose comme ça, qui voulait encore nous piéger. Bah ouais, pour moi, c'est ça. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui découvrent la chaîne là maintenant, Talking Bad Angela, du coup, c'est une personne qui arrête pas de vouloir nous piéger et on sait pas pourquoi. Oui. Et à chaque fois elle essaie de trouver des astuces, elle nous envoie des messages, elle dit rendez-vous ici, rendez-vous là, et bah des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais bon, on sait pas si ce que veut cette personne exactement. Ouais, on sait vraiment pas. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous avez cette tenue là. Mais parce que il nous a fait croire qu'on allait aller en prison du coup. Oui. Et vous avez mis cette tenue. Mais toi t'étais là. Mais t'étais là à ce moment-là, t'as tout oublié ou quoi? Bah oui, j'ai tout oublié. Attends, non, je pense que c'est toi qui nous prank là, c'est pas possible. Ouais, si. Bon, vous avez deviné, c'était n'importe quoi. Non, mais on peut pas lui faire confiance, il se souvient de rien. Attends, vas-y, c'est quoi ta date d'anniversaire? Attends, c'est en 1900. Allez! 45. Ouh. Voilà, il se souvient de rien du tout. C'est la preuve que là. Non, mais il t'a vidé la mémoire, c'est pas possible. Bon, là, les amis, en gros, pour résumer ce qui s'est passé, on a trouvé un téléphone. Quelqu'un s'est jeté sur nous, a voulu nous mettre en prison alors que c'est un faux policier. On comprend rien à cette histoire. En tout cas, nous, on aura bien rigolé. Oui, moi, c'est marrant, mais voilà quoi. Ça t'a bien fait rigoler, mais par contre, t'as aucune. J'ai oublié. Petite perruque là, je me souviens même pas. Et par contre, toi, tu te souviens de rien. Bon, allez, hop, va dormir. À demain matin. Je crois que bon, allez, sieste. Bon, là, les amis, cliquez sur une vidéo qui apparaît. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. On comprend rien du tout. Ouais, oula.